Bonsoir, bonsoir. Je vais vous parler du fait de vivre seul, simplement. Alors, qu'est-ce que la solitude? La solitude, c'est ce sentiment d'être seul. Soit de n'avoir personne à qui parler, soit de n'avoir personne à qui s'identifier, ou soit de n'avoir, d'être loin de ses parents. Donc, tu ne reçois pas vraiment l'amour que tu penses mériter. Et c'est difficile. Et ajouter à la solitude la misère, la difficulté de pouvoir joindre les deux bouts, de payer son loyer, c'est vraiment l'enfer sur terre. Et bon, Dieu merci, moi, je n'ai pas vraiment connu la misère parce que mes parents ont les moyens, mais quand même. Avec les diplômes que j'ai, j'arrivais à avoir du travail. Et puis, si je n'ai pas de travail dans mon diplôme, bon, je fais des petits boulots pour pouvoir manger parce que voilà, j'aime travailler. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Bref, comment vaincre la solitude? Il faut se projeter. Il faut rêver. Il faut imaginer. Il faut croire. Il faut se dire que bon. Actuellement, aujourd'hui, on est en juillet 2019, je suis seule, j'ai pas d'argent, j'ai tous les problèmes. Mais je crois qu'en décembre, quelque chose de bon va se passer. Donc, comment je vais voir cette bonne chose arriver? Ben, je dois m'arranger pour être en vie. Je dois m'arranger pour rationner. Bon, s'il me reste un pain, ou bien il me reste trois boîtes de conserve, donc je dois rationner ça. Pour pouvoir tenir jusqu'en décembre, décembre qui est la date hypothétique que je me suis fixée comme ça, comme objectif pour avoir, pour donner un sens à ma vie, donner un sens à la solitude, pour meubler mes jours. Donc il faut avoir un calendrier. Quand tu es dans la solitude, il faut avoir un calendrier. Et puis il faut avoir un cahier pour noter les choses. Et puis quand tu souris, il faut remercier Dieu. Voilà. C'est vrai, tu n'as pas encore mangé. C'est vrai, le propriétaire de ta maison veut te chasser, par exemple. Mais si tu as regardé un film à la télé ou au restaurant qui t'a fait rire, mais c'est, faut bien rire. Faut bien profiter de ça. Il faut bien enregistrer ça dans ton cerveau.